Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo swap. J'ai fait un swap avec ma chérie de la chaîne Parisienne Makeup. Donc c'est un super gros carton. Donc je l'ai déjà ouvert. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, il est énorme. Donc on va ouvrir ça ensemble. Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo swap. J'ai fait un swap avec ma chérie de la chaîne Parisienne Makeup. Ça fait un moment qu'on est dessus, ça fait plusieurs mois. Et du coup j'ai reçu le colis aujourd'hui, donc il se présente comme ceci, il est énorme. Hop, il est énorme le carton. Donc on va ouvrir ça ensemble. Hop, l'intérieur il est comme ceci. Hop, elle l'a super bien emballé. Donc on va commencer car il y a pas mal de choses à l'intérieur. Alors on commence avec ceci. Voilà, et c'est marqué de la part d'Inaya et Yasmina. Donc on va ouvrir ça. Très joli sac, il se présente comme ceci, il est magnifique, j'adore la couleur, waouh, merci les filles. On continue avec de jolis petits dessins. Donc, il y a celui-ci, je pense que c'est ces petites puces qui les a fait. Ensuite celui-ci, ils sont trop joli, de la part d'Inelia. Bisous Laetitia. Super joli. Merci ma puce. Encore un. Ils sont trop beaux. Une petite maison. Et le dernier. Waouh, j'adore. Merci les filles. Ensuite, on va commencer. Alors, donc ça, c'est pour ma fille. Pour Lola. Je lui donnerai tout à l'heure. Elle ouvrira elle. Ensuite. Alors ça, c'est trop. Alors, on va essayer de retrouver dans l'ordre les paquets. Alors. Donc celui-ci, c'est pour mon fils. Donc c'est pareil, je lui donnerai pour lui. Il l'ouvrira lui. Et ils t'enverront un message pour te dire merci. Je leur donnerai tout à l'heure. Alors, voyons voir. Du coup, c'est pas du tout dans l'ordre. Donc il faut que je retrouve les paquets. Hop. Alors, le numéro 20. Ça, c'est pour ma fille aussi. C'est marqué fait main. Donc, je lui donnerai tout à l'heure. Alors, pour trouver tout de... Numéro 3, on va le mettre de côté. Hop. Numéro 3. Numéro 4. 27. Il y a plein de gourmandises à l'intérieur du sachet. Numéro 10. Numéro 17. Il y en a de partout. Numéro 3. Numéro 8. 13. 7. Numéro 2. Pareil, on va le mettre sur le côté. Numéro 16. Numéro 9. Bah, il se cache où le numéro 1? Numéro 23, j'en ai de partout. Numéro 2, 28, 29. La coquine, elle m'a pas, elle n'y a pas mis dans l'ordre. Alors on va tout chercher. Je cherche le numéro 1, 35, 9,
Il y a plein de gourmandises à l'intérieur. Hop. Il y a des petits biscuits comme ceci. Les Kinder, ah bah les loulous, ils vont être contents. Des carambars, encore un Kinder. Ah, il y a des échantillons de la marque Palette. Rich Care Conditioner. C'est des soins nourrissants enrichis à l'huile d'argan. Super, on va pouvoir tester. 24. Numéro 1. Les paquets sont super beaux, j'adore. Je crois qu'on a pris à peu près les mêmes couleurs, parce que je crois que dans mon swap aussi, c'était les mêmes couleurs, bleu et rose. Donc, pour tes mains, je vois pas du tout, vu que c'est carré comme ceci. Je vais ouvrir. Waouh! C'est de la marque Formula X All Star Clicks. C'est des vernis. Vous en avez un bleu, un blanc, un rouge et un pailleté. J'adore. Merci ma chérie. Je vais le mettre là. Après, le numéro 2 qui se présente comme ceci. Tu pourras tester enfin. LOL. Je sais pas du tout. En plus, je suis super nulle en devinette. Donc, on va ouvrir. Ça sera plus simple. Waouh! De la marque Becca. Je vais pouvoir tester. Ça fait un moment que je voulais tester. Donc, c'est le Glow One The Go Shimmering Skin Perfect. Cool. Merci ma chérie. Voilà. Là, hop. Le numéro 3, il est là. À toi d'aimer ou pas. Il se présente comme ceci. Les petites pochettes. Alors, aimer ou pas. Une peine d'hier. Dans une boîte comme ceci. Qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est des pinceaux. Ils sont super beaux. Mais il y en a combien dedans? Waouh, waouh, waouh! Je vais en prendre un pour. Ils sont comme ceci. Ils sont magnifiques. Ils sont super beaux. Alors, ils sont super doux. Urban Decay. Merci ma chérie. Alors là, on n'en a jamais assez en plus des pinceaux. Merci. Donc on était au numéro 3. Alors le numéro 4. Numéro 4. 37. Il y a encore plein de gourmandises comme ça. Carambar. Ah mais les loulous là, ils vont être contents. Hein. Hop. Ah. Il y avait un petit carnet comme ceci. Love what you do. Il est trop joli. J'adore. Et à l'intérieur, il y a un petit mot. C'était son petit mot. Ah, moi aussi, je sais pas quoi dire là, le petit mot il m'a ému.
Mais tu sais tout ce que je pense de toi aussi, donc je te fais de gros bisous. Donc on était au numéro 4. On continue. Ouf. Numéro 4, 14. 31. Alors celui-là, c'est pour mon mari. Donc je lui donnerai tout à l'heure aussi. Numéro 4. 15, 26, numéro 6, on va le mettre de côté. Numéro 5, j'étais au numéro 3, 4, 36, 27. Numéro 4, pour t'aider aux soins. C'est mou, alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Pour t'aider aux soins, je ne sais pas. Ah, un bandeau, il est trop joli. Il est trop beau, il est rose fuchsia, j'adore. Ah, c'est sûr, pour faire les maquillages ou pour faire les soins, ça va être super. Merci, ma chérie. Après, numéro 5. Ta peau va aimer. J'adore le papier. Je suis bien débrouillée pour les emballages. Alors, c'était ta peau va aimer. C'est pas une crème. Beauty and Truths anti-âge crème. Donc ça se présente comme ceci. Et c'est je pense que c'est une crème pour visage. Présente comme ceci. Super, je vais pouvoir tester parce que j'ai la mienne qui se termine là. Donc super, une nouveauté. J'adore. Merci beaucoup. Après, on était au 5. Si je me trompe pas, c'était le 5. Oui, c'est ça, le 5. Alors, le numéro 6. Bonne surprise. Bonne surprise. Je sais pas du tout. Fais-moi les devinettes, je suis super, super nulle. Alors, je sais pas du tout. Bon, ça sent bon, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une tartelette Yankee Candle. Ça sent super bon dans un petit pochon comme ça. Ça sent super bon et c'est la caramel au beurre salé. Super, parce que je crois que celle-ci je l'ai pas. Donc pour la faire brûler, ça va être super. Ça sent trop bon. Ensuite, on a dit 6, le numéro 7. Numéro 7, numéro 7, 30, 32, numéro 7, alors là j'ai le numéro 8, on va le mettre de côté, 33, numéro 7, numéro 7, il est où le numéro 7, 9, 8, 13, numéro 7. Se cache le numéro 7. J'ai le carton qui est posé à côté. Alors, du coup, si vous voyez un petit peu partir sur le côté, c'est normal. Alors, numéro 7. Bah, il est où? 5. 3.
13. Ah, il y en a là. Numéro 7, il était caché. Surprise numéro 2. Toujours dans les petites pochettes comme ceci. Surprise numéro 2. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, une autre Yoki Candle. Ça sent trop, trop bon. Toujours dans des petites pochettes comme ça. J'adore les petits pochons. Et c'est la scoop de l'été. Ça sent trop bon. Donc c'est celle-ci. Merci. Ensuite, donc on était au numéro 7. Numéro 7. Numéro 8. Il est là. Surprise numéro 3. LOL. Voilà, ça doit être pareil. Une Yankee Candle. Oui, c'est ça. Trop bien. Et c'est la crépuscule chaleureuse, toujours dans les petits pochons. Là, je crois que celle-ci, je ne l'ai pas en plus. Trop bien. Ça sent trop, trop bon. C'est celle-ci. Merci, ma chérie. Trop bien. Ensuite, numéro 9. Surprise numéro 4. Ça a l'air d'être une bougie. Je pense, une petite bougie. Je suis désolée, je déchire. Je suis trop impatiente. Oui! Toujours de la marque Yankee Candle. C'est une Voltive, si je ne me trompe pas. Et c'est la Cranberry Ice. Celle-ci, je l'ai finie il n'y a pas très très longtemps en plus. Super. Merci. Donc, on était au numéro 9. Donc, le numéro 10. 13, 26. Numéro 10. Numéro 10. 11, qu'on va mettre de côté. Numéro 15. 14. 7, 5, 19, 3. Alors, le numéro 10. Numéro 10. Où te caches-tu, numéro 10? Il y a tellement de paquets à l'intérieur, là. C'est marqué pour accompagner le matin. Pas du tout, c'est tout mou. Je sais pas si on va ouvrir ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, trop bien! C'est un infuseur de thé. Ah, trop cool! J'en ai pas des comme ça. Ah, c'est trop mignon. J'adore. Hop! Ah, j'adore, c'est trop joli. Là, vous mettez les bras sur le thé. La tasse, et du coup vous mettez l'un dedans le thé. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Puis j'en avais pas des comme ça. Merci ma chérie. Le numéro 11. Surprise, tu vas aimer. Surprise, tu vas aimer. C'est tout mou. Je sais pas. Surprise, tu vas aimer. Ça se présente comme ceci. Ah, c'est des masques. Trop bien. Masque aromathérapique anti-stress de la marque Onyx Dermolab. Celui-ci et celui-là, c'est pareil. Alors, celui-là, c'est au jasmin et à la lavande. Et là, c'est la même chose, sauf que c'est abricot et... et amande, je pense. Donc toujours de la marque Onyx Dermolab. Cool. Super, des masques. Merci ma chérie. Donc là, on était au numéro 12, je crois. Si je ne me trompe pas. Ensuite, le numéro 13. Tu vas aimer ou pas? Je pense à un gel douche.
Ouais, en gel douche, vu le contenant. C'est ça. C'est un gel douche de la marque Fa. Ah, j'ai jamais testé cela. Sensuel et oil. Parfum fleur de vanille. J'adore la vanille en plus. J'ai senti. C'est un grand format en plus. J'adore cette odeur. Ah, moi et la vanille, j'adore. J'adore. T'as tapé dans le mille là. Hein. Merci. Ensuite, le numéro 14. J'ai aimé à toi, hihi. Donc, je pense que c'est encore un gel douche. Ouais. De la marque Fa. Ah, je ne l'ai pas vu celui-là. Magic World Oil, pardon. Parfum jasmin rose. Donc encore un gel douche. Je suis une fan des gels douche en plus. Trop bien. Je vais sentir aussi. Ça sent trop bon. Waouh. Merci ma chérie. Donc on était au 14. Le 15. Un peu de douceur. J'aime bien les autocollants hein, qu'il y a dessus. Thank you. C'est super joli. Avec les petites étoiles aussi. Elles sont super bien faites les pâtes, ma chérie. Donc je pense à une crème pour les mains. Romantique rose lotion pour les mains. Alors je vois du coup la senteur rose. Il est super beau le packaging, j'adore. Super beau. Ça sent super bon. Hop. Beau. Donc, alors, je pense que c'était de la marque Gloss. Donc, voilà la crème. Merci ma chérie. J'adore les crèmes aussi pour les mains. Donc, nickel. 16. Ton corps aimera. Ton corps aimera. Une crème pour le corps? Je pense. Donc, c'est de la même marque, Gloss. Romantique rose, toujours. Body lotion. Lotion pour le corps. Trop cool. Merci ma chérie. Bon, je vais pouvoir l'ouvrir. Trop bien. Moi, tout ce qui touche aux... les gels douche, les crèmes pour les mains. J'adore. Donc, c'est la même senteur que la crème pour les mains. Merci ma chérie. Faudra juste que je me trompe pas avec la crème pour le main et pour le corps, mais... Alors, numéro 17. Tu me diras quoi? Ça se présente comme ceci avec la petite étoile toujours. Tu me diras quoi? Alors là, je sais pas du tout. Vu comment au toucher, je penserais à un blush. Ah non. Donc c'est de la marque Compact Powder Fashion Makeup. Donc c'est une poudre compacte, la numéro 01. Super, la teinte elle est parfaite. Parfaite de chez Parfaite. Je ne sais pas si on voit bien. Merci ma chérie. Alors là, super. En plus, la mienne, je l'ai fait tomber par terre. Donc, elle est un petit peu cassée. Donc, super. Du coup, ça va pouvoir la remplacer. Merci. Alors, numéro 18. Tes yeux de biche. Lol. Un mascara. Oui,
mascara de la marque Yves Rocher. J'ai jamais testé leur mascara. Mascara sexy pulp, volume extrême, volume XXL, cils à cils, regard glamour. Trop bien. Je vais pouvoir tester, j'ai jamais testé cela. Du moins, le maquillage Yves Rocher, jamais testé, donc c'est mon premier. Super. Merci beaucoup. Ensuite, le numéro 19. Tu l'avais plus, MDR. Qu'est-ce que j'avais plus? Alors là, je sais pas du tout. On va ouvrir. Tu ne l'avais plus. Ah oui, je me souviens. C'est un magnifique collier comme ceci, en forme de cravate. J'en avais une et elle s'était cassée. Ouais, super. Elle est trop trop belle. Fashion Jewelry. Trop bien. Super jolie. Merci. Ensuite, numéro 20. Pour l'été. Peut-être des planches pour faire des tatouages. Peut-être ça. Je suis trop contente. J'ai des trucs franchement super. Alors, oui, c'est ça. C'est des tatouages. Ah, ils sont trop beaux en plus. C'est pour faire le tour des poignets ou du bras. Ah, ils sont trop beaux avec des petits cœurs. Trop beaux. On va mettre comme ça, on verra mieux. Ils sont super jolis. J'adore les motifs. Merci beaucoup. Donc, on était au 20. Numéro 20. Alors, maintenant, faut qu'on recherche. 6. 5. Alors, 22. Je cherchais le numéro. Désolée, je m'en baisse. Je ne me souviens plus du numéro. Donc, c'était le 21 que je cherche. Alors, le 21, où se trouve-t-il? Le 21, il est là. Hop, il est là, le 21. Tu vas sentir la pêche. Du papier Elsa. Tu vas sentir la pêche. Alors là, je sais pas du tout. Tu vas sentir la pêche. Non. C'est une folie. Waouh. Alors, il est super bien emballé. C'est la palette Too Faced, la Sweet Peach. Voilà. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est trop trop belle. Ah, oh ouais, ça sent, hein. Ça sent la pêche, hein. Là, j'ai pas de mots. Merci, ma chérie. Alors là. Alors, 22. Un peu de nettoyage. Un peu de nettoyage. Je sais pas. Sephora. Ah,
une éponge Conjac nettoyante visage de la marque Sephora. J'ai jamais testé. Ça fait un moment que j'en entends parler sur YouTube, mais j'ai jamais testé. Ah bah super, je vais pouvoir tester ça. Oh, trop bien. Voilà, la palette, elle m'a scié là. Merci ma chérie. Donc on est au numéro 22, donc le numéro 23. Numéro 23. Numéro 23. Un sera peut-être nous. 23, un sera peut-être nous. Je sais pas du tout. Un sera peut-être nous. Alors, c'est le livre, j'avais pas celui-là, Enjoy Marie, de Marie Lopez, donc Enjoy Phoenix, de la youtubeuse, waouh, je l'ai pas celui-là du tout, trop bien, super, merci. Donc, on était au numéro... 23, le numéro 24. Numéro 24, numéro 24. 27, 29. 26, on va mettre là. Il y a encore plein de gourmandises à l'intérieur. Ah, les petits Kinder encore. Ça ressemble au petit Mars. Des petits carambars. Des petits gâteaux comme ça. Donc j'ai dit le numéro 23. Numéro 23. Bonus. Bonus. Il y a ça dedans aussi. Dans un petit pochon comme ceci. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça ressemble à ça. Ma chérie, tu me diras ce que c'est, parce que je sais pas du tout si c'est pour mettre dans le bain ou tu me diras ce que c'est. Donc le numéro 23. 33. 30. 34. 35. 37. 39. 31. Où se cache-t-il le numéro 23? 24, 28, celui-ci c'est le bonus. Alors 25, celui-ci 26, est-ce que j'ai ouvert le 23? 22, bah oui, je cherche le 23, je l'ai déjà ouvert. Donc le numéro 24, tu les mets à mon Instagram. Je l'ai mis à mon Instagram. Le papier, il est super joli avec des fleurs, des cœurs. J'adore. Tu l'as mis à mon Instagram. Je sais pas du tout. Tu l'as mis à mon Instagram. Ah oui, un petit carnet, il était trop beau. C'est marqué Sweet dessus, c'est un petit carnet avec un petit chat et avec des pages comme ça. Oui, il était trop trop beau, ouais. Merci. Ensuite, le numéro 25. Te voici comme Picasso. Alors là, je ne sais pas du tout. Te voici comme Picasso. Des pinceaux, je dirais. Oui. Je voulais m'en commander en plus. Donc ça fonctionne super bien. Ils sont super beaux, ils sont roses. Trop, trop bien. Donc c'est les pinceaux comme ceci. Pour mettre le fond de teint, l'anti-cerne. Ah j'adore, ça fait un moment que je voulais en commander. Ils sont super beaux en rose comme ça. Je suis désolée, ça fait du bruit. Ils sont super.